un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur les deux résolutions. La résolution 1325 qui concerne femmes, paix et sécurité, ainsi que la résolution 2250 qui concerne les jeunes, la paix et la sécurité. Les deux résolutions vont ensemble mais visent deux cibles différentes, c'est-à-dire les jeunes et les femmes qui doivent s'impliquer dans la résolution des conflits. Voilà un peu notre petit atelier qui va se tenir aujourd'hui. Et sur ce, nous avons invité la division technique genre. Vous savez, dans le cadre de la résolution des conflits et implication des femmes, nous travaillons toujours en partenariat. Et ce sont les experts de la division genre qui viennent appuyer le réseau des femmes des médias interamericains dans cette formation. Et ainsi dit, nous remercions d'abord la présence de toutes les maisons de presse qui sont ici. Nous savons qu'on ne devrait pas inviter tout le monde. C'est une représentativité, mais nous comptons sur vous pour la vulgarisation de la matière qui sera donnée ici et par rapport aussi à notre population. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les invités et bonne application, si je peux le dire ainsi. Je réponds au nom de Dupuis Moulembe, agent de la division provinciale du Char Famille Enfant. C'est une opportunité d'abord pour la division provinciale du Char Famille Enfant de travailler avec REFEMET. Parce que la province a un plan provincial de mise en œuvre de la résolution 1325. Et ce plan est consommé dans deux territoires, Kalemie et Kongolo. Et il reste quatre territoires où les gens ne connaissent pas la résolution 1325. C'est ainsi que nous avons eu vraiment à renforcer en capacité les journalistes comme étant des canaux qui peuvent nous aider aussi à disséminer vraiment le contenu de la résolution dans d'autres territoire de Kalemie. Et quels résultats attendez-vous des journalistes locaux par rapport à cet atelier? Nous attendons vraiment leur implication dans la vulgarisation de ces deux instruments, à savoir la résolution 1325 et 2250, de sorte que toute la communauté du Tanganyika puisse connaître que les femmes ont des droits, les jeunes aussi ont des droits et que les deux couches doivent participer vraiment au processus de consolidation de la paix au Tanganyika.